Nous allons voir ensemble la deuxième méthode qui va nous permettre de gagner de l'argent sur le site Fancy. Rassure-toi, c'est une méthode aussi efficace que la première et grâce à cette méthode, j'ai généré pas mal de sous sur ce site. Je commence déjà par te montrer quelques preuves de gains issues de cette méthode. Donc, comme tu peux le constater, je suis sur mon tableau de bord. Je vais aller sur vos gains, puis mes gains challenge. Ici, tu peux juste regarder au niveau de la colonne prime. Tu peux voir combien de fois j'ai gagné de l'argent grâce à cette méthode. Bon, c'est une méthode vraiment efficace et elle consiste à faire la promotion du site Fancy. Fancy a mis en place plusieurs programmes pour récompenser les personnes qui font la promotion de leur site. Bon, je vais te les présenter pour que tu puisses voir combien tu pourras gagner juste en faisant la promotion du site Fancy. Premièrement, nous avons les challenges. Tu as trois types de challenges. Tu as le challenge de parrainage hebdomadaire, tu as le challenge de parrainage mensuel et tu as le challenge de parrainage annuel. Pour le challenge de parrainage hebdomadaire, tu gagnes de l'argent si chaque semaine tu possèdes le plus grand nombre de filleuls. Donc, si tu possèdes le plus grand nombre de filleuls chaque semaine, tu as 10 euros. Si tu es deuxième, tu as 5 euros, ainsi de suite. Pour le challenge de parrainage mensuel, il faudrait que tu aies le plus grand nombre de filleuls actifs. C'est quoi un filleul actif? C'est tout simplement un filleul qui passe à l'achat en passant par Fancy. Donc, si chaque mois, tu as le plus grand nombre de filleuls actifs, tu as 25 euros. Si tu es deuxième, tu as 20 euros, ainsi de suite. Nous avons le challenge de parrainage annuel. Pour ce challenge, il faudrait que, au cours de l'année, l'ensemble des filleuls que tu as envoyés sur Fancy aient reçu le paiement. Donc, si tu as le plus grand nombre de filleuls envoyés et que ces filleuls ont reçu le paiement, tu vas gagner 50% de la cagnotte totale. Pour l'année 2018, la cagnotte s'élevait à 793 euros et la première personne a gagné 50% de cette somme, la deuxième 25%, la troisième 12%, la quatrième 8% et la dernière 5%. Pour la cagnotte 2019, actuellement, elle s'élève à 312 euros et au fil du temps, elle va augmenter. Certainement, on va dépasser celle de 2018 et si tu es parmi ces personnes-là qui envoient le maximum de filleuls et que ces filleuls reçoivent de l'argent, tu auras 50% de cette cagnotte en fin d'année. Après le programme de challenge, nous avons un autre programme qui nous permet de gagner de l'argent en faisant la promotion de Fancy sur les réseaux sociaux. Donc, tu vas sur l'onglet « Gagner » et tu sélectionnes « Gagner en partageant ». Ici, tu as la possibilité de gagner de l'argent lorsque tu fais la promotion de Fancy sur des réseaux sociaux. Par exemple, si tu as une page Facebook, à chaque fois que tu vas faire une publication sur Fancy, tu vas gagner 50 centimes. Et tu as une limite de publication d'une fois la semaine. Donc par mois, si tu fais 4 publications, tu as 2 euros juste pour une publication qui te prend quelques secondes. Si tu possèdes une chaîne YouTube et que cette chaîne YouTube répond à ses caractéristiques, tu peux gagner 10 euros chaque mois en publiant une vidéo de minimum 1 minute. Bon, tu fais une vidéo d'une minute sur Fancy et tu gagnes 10 euros. D'ailleurs, j'en ai gagné énormément grâce à cette méthode. J'ai fait le tour de tous les programmes de promotion qui te permettent de gagner de l'argent sur le site Fancy. Maintenant, je vais te montrer la méthode concrète pour que tu puisses également l'appliquer et gagner de l'argent comme j'ai pu le faire. Premièrement, je vais t'inviter à récupérer ton lien de parrainage. Pour ce faire, tu vas aller sur parrainage, lien de parrainage. Donc, tu as le choix, soit tu utilises Facebook, soit tu utilises Twitter, soit tu utilises ton mail. Donc, tu peux venir juste mentionner le mail de la personne à laquelle tu souhaites envoyer l'invitation et tu cliques ici. Mais moi, je te recommande de prendre directement ton lien de parrainage. C'est plus efficace. Une fois que tu as récupéré ton lien de parrainage, tu vas le raccourcir via un raccourcisseur de lien. Il y en a plusieurs. Moi, j'utilise Bitly. Donc, tu copies ce lien, tu le colles ici sur Bitly et tu auras tout simplement ton lien raccourci. Je vais te montrer à peu près combien de personnes ont cliqué sur mon lien de parrainage depuis que je suis sur Fancy. Donc, je vais le copier, je vais venir ici, je le colle. Comme tu peux le constater, 668 personnes ont cliqué sur mon lien de parrainage depuis le mois d'avril et ça m'a généré pas mal de revenus. Donc, je te montre la méthode très rapidement. Une fois que tu as raccourci ton lien de parrainage,
Tu vas tout simplement créer une chaîne YouTube. La chaîne YouTube va te permettre de faire la promotion du site Fancy en automatique. Donc, une fois que tu as créé ta chaîne YouTube, tu vas faire des vidéos ou au plus, tu n'as pas besoin de faire des vidéos. Je te donne accès à toutes mes vidéos sur Fancy gratuitement. Donc, pour ce faire, tu as juste à t'abonner sur ma chaîne YouTube et tu auras un accès exclusif à toutes mes vidéos. Donc, mes vidéos sont des vidéos libres de droit. Donc, tu peux les réutiliser, les vidéos sur Fancy. Mais la seule condition, c'est que tu dois t'abonner à ma chaîne YouTube. Bon, je t'ai mis un bouton au bas de cette vidéo. Tu t'abonnes à ma chaîne YouTube et tu pourras diffuser toutes mes vidéos sur Fancy. Donc, je te montre, j'ai environ 8 vidéos sur Fancy. Et si je vais sur YouTube, je mets Fancy, tu vas voir, ce sont mes vidéos qui sont en tête de liste. Donc, si tu reproduis une vidéo comme cela, forcément, tu auras du trafic et des personnes vont cliquer sur ton lien. Donc, tu as la possibilité de copier exactement cette vidéo. Donc, je vais cliquer dessus. Une fois rendu sur ma vidéo, je te montre ce que tu dois faire. Tu as juste à copier le lien de la vidéo et à te rendre sur un site qui s'appelle SaveFromNet. D'accord? Non, c'est très facile. Tu tapes SaveFromNet. Donc, ce site va te permettre de télécharger gratuitement ma vidéo. Donc, tu cliques dessus et tu copies le lien de ma vidéo. Donc, comme tu peux le constater, tu as la possibilité de télécharger directement ma vidéo. Donc, je te donne l'autorisation de le faire à condition que tu t'abonnes à ma chaîne. C'est très facile. Tu cliques sur le bouton qui se trouve au bas, tu t'abonnes à ma chaîne et tu pourras télécharger ma vidéo. Maintenant, une fois que tu as téléchargé ma vidéo, tu vas la diffuser sur ta chaîne. Au bas de cette vidéo, tu vas mentionner tout simplement ton lien de parrainage. C'est très facile à faire. Comme je t'ai montré, tu prends ton lien, tu le copies sur Bitly et tu vas le mentionner ici au bas de la vidéo. Donc, en description de la vidéo, tu auras ton lien de parrainage. Donc, à chaque fois qu'une personne va arriver sur ta vidéo, elle va regarder ta vidéo et puis elle va cliquer sur le lien de parrainage qui se trouve juste au bas. C'est une manière pour générer gratuitement du trafic sur ton lien de parrainage grâce à la méthode YouTube. La deuxième possibilité de cette méthode est tout simplement d'utiliser Facebook. Donc, tu vas te rendre sur ton profil Facebook. Tu vas sélectionner les groupes où des personnes gagnent de l'argent et tu vas faire des publications. Donc, je te montre un exemple. Je suis sur l'un de mes groupes Facebook. Je vais tout simplement taper Boris Aldo ici pour voir mes publications. C'est mon nom Facebook. Donc ici, j'aurai toutes les publications. Hein. Comme tu peux le voir, voici l'ensemble des publications que j'ai faites sur ce groupe. Et tu vois, ces publications sont toutes simples, mais elles ont généré énormément de commentaires. Tu vois, cette publication, elle a généré 29 commentaires. Donc, où je dis aux personnes, je leur propose de gagner 100 euros en 30 minutes. Dès que la personne va me dire qu'elle est intéressée, je lui envoie tout simplement mon lien de parrainage. Donc, ce sont les deux méthodes que je te propose pour faire la promotion du site Fancy. Donc, c'était tout pour la deuxième méthode. C'est une méthode vraiment efficace et j'utilise les astuces que je t'ai données tout au long de cette vidéo. Nous allons passer à la dernière vidéo.